Hello, la boucherie. Appelé. Ricule, t'as coupé son micro. Oh merde, bonsoir. Mais le loot, je vous présente mon appartement. Ça c'est mon salon, hein, avec mon appareil favori pour pouvoir observer les étoiles. Mon deuxième appareil favori, mon Bang. Je vais vous montrer la chambre. Et là, la cuisine. Ah non, la cuisine c'est moi, Ishmi. La cuisine c'est moi, Ishmi. Eh, je vous présente Ricule. Bien sûr. Le T-Live en mode... Oh le touriste. Je suis garageophile, ma parole. Je pénètre des garages. Je vous présente ma voiture. Non, tu t'en vas direct, Tu vois que j'ai pas vu que t'essayais de mettre ta bite dans la serrure là. T'as essayé de mettre ta bite dans la serrure. Je l'ai vu. Je fais juste le plein. Ah oui. Je termine. Bonne voiture. Tu sais pas moi. Regardez le doigt d'Iricule qui dépasse de ma fenêtre. Quoi, faut que je l'aère? Je te dis pas où la traîner. Oh putain. Alors mon hélico. Vas-y Ricule, je te suis, je sais pas où. Mais on y va. Attends, t'es sérieux? T'es trop loin. T'essaies d'emmener le camion de poubelle. Enlève les poubelles. Attention, votre état psychiatrique empire. Du coup, quoi ce délire? Oh, tu veux des gens, il paraît que c'est malsain. Où est-ce qu'on peut aller? Ricule, emmène-moi, allons nous marier. Où ça? Je ne sais pas. Oh, j'ai trouvé pour se marier, il y a une petite île déserte là, je crois que ça peut être sympa. Oh, allons nous marier. Attends, c'est par là qu'il y a l'ovni. Qu'il y a l'ovni sous l'eau normalement. Quoi? Moi, tu parles de quoi là? Moi, j'aime bien quand ça parle d'ovni. Hein, Ricule? Illuminati. Ibelier, Vicanfi. Ibelier, Vicant touche ce ski. L'anglais est mort. C'est pas vrai. Elle se chante pas comme ça la chanson? C'est bien. Ibelier, Vicanfi. Ibelier, Vicant touche ce ski. Oh putain! Moi j'avance comme un âne et puis je regarde pas en face de moi, tu sais. J'ai failli mourir. Ça c'est trop bien parce que dans ce jeu tu peux te foutre dans les câbles électriques, y'a aucun problème! Regarde ça. Depuis tout à l'heure là. Normalement je suis censé te couper le courant de la ville. T'imagines? T'essaies de poser un truc sur le train? Ouais. Attends, j'arrive alors. Faut que je vois ça. What? Wow. Qu'est-ce que t'as? On a perdu un véhicule, messieurs dames. Il est mort. Tu crois que je peux me poser sur le train avec mon hélico? Il y a moyen, oui, ton petit hélico, ouais, mais à mon avis, il y reste pas, par contre. Putain, il doit bien avoir une sorte de cuve à un endroit, attends. Oh, là. Là, je suis sûr qu'il y a moyen, là. Attends. Et merci pour le follow, Medizy919. Bienvenue à toi dans la bouche. Et non, je suis posé dans l'hélico, là j'ai posé la manette, je suis bien. Oh, magnifique l'endroit là, une sorte de caverne naturelle. Caverne naturelle? Attends, je vais regarder où tu es, je vais te rejoindre. Je suis intrigué par ce qu'Iricule me dit. On fait un peu de pêche à la grenade avec Doc. Ouais, je me disais que ça avait l'air d'exploser, j'ai eu peur que ce soit sur moi au début qu'elle part, tu vois. Mais lol. Ouais, si, bonsoir, le quoi des pêcheurs? Regarde. Oh my god, les mecs! Ils sont en train de pêcher la truite. Ah, mais c'est ça que t'appelles une grotte, d'accord, c'est une arche ça, non? Oh, une arche, ouais. Moi j'ai pas vraiment dit grotte, hein. Alors, je veux pas de commentaires sur ce qui vient de se passer. Une belle glotte. Là, y'a mon hélicoptère qui est en train de catagloter la flotte. Wouh! Voilà pour faire des missions. Vous avez vu comment, quand on pèse dans le milieu, comment ça se passe? Tu te fais écraser par des voitures lourdes. Ça glisse, c'est pas ma faute. Oh là là, mais attends, mais y'a un C4 là sur la voiture, je crois que je l'ai pas vu sur le côté. Oui, c'est pour ça que j'ai descendu aussi. C'est Dogfest qui l'a posé. Oh mais merde, ça a tué Doc. Moi je voulais juste faire péter le truc, tu sais, genre sécurité, tu vois. Mais ça va, vous allez passer la soirée à vous taper dessus ou quoi les gens là? Oh pardon. Oh my god. Oh le bâtard. Attendez, on n'a rien vu. Mon hélicoptère ne s'est pas noyé. Doc Fez, Iricule et moi-même ne sommes pas morts. Oubliez toute cette séquence. Te prends pas la tête avec ça. Oh, il y a des belles voitures. Non, Iricule, tu vas faire une bêtise. Oh. Chez moi, t'aurais dû mourir là! J'aurais dû aussi! Mais je vais me faire écraser! Merci! Ouais, bah c'est bon! Ah, viens là, donne-moi ta voiture, toi!
Avec une belle trace de sang, c'est ma voiture maintenant. Ça, c'est la voiture du boucher. Viens là. Comment il est passé? Très important de mettre un grand coup de klaxon à ce moment-là. Bah, ouais, je pense qu'il est sur le toit, l'hélicoptère. Je peux pas m'accéder, je suis jamais... LOL. Oh, je l'ai vu faire un truc. Qui c'est qui pilote ce truc-là? Ça doit être Gramdy. Ah, ça doit être Gramdy, ça, d'accord. Ah oui, c'est Gramdy. Wow. Je le sens pas. Ouais, je le sens pas non plus, je le sens pas non plus. On se barre. Bon, du coup... Coucou. Wow. On a un Gramdy qui est dangereux, là. Regarde le Gravity qui a pris masse élan et pour pouvoir bien se caler sur moi. Les amis 21, quand tu parles, on comprend rien. Oh, c'est chaud. Un bien bouillon. Oh, la violence. Sous l'océan, il y a des bouchers. Et y'a même Iricule. Merci, Doc Fez. Chauffeur, au sous-marin le plus proche, s'il vous plaît. Oh, les bugs. C'est Doc Fez qui lag comme ça, ou c'est le serveur, là? Oh là là. Oh putain, c'est la matrice. On n'arrête pas de changer de parallèle. On est dans des mondes parallèles depuis tout à l'heure, regarde. Monde parallèle 2. Attention. Monde parallèle 3. Quatrième monde parallèle. Bienvenue dans la quatrième dimension. Il te faudrait une bonne route. Ah, pour atterrir, combien de mètres il te faut? 50-100. Ok, j'ai repéré la route. Jawive. Par contre, restez pas là. Oh putain, c'est toi qui arrives là-haut. Oh, ça a l'air violent. Oh putain. Oh putain. Voilà. Ah, toi, ça te calme ton mal de tête, les douches. Oh, like a boss. Tu reclipes pas vite, tu l'as esquivé d'un mètre à peine, tu sais. Achète-le si tu peux. J'ai 300 000, j'ai pas assez. Oh, c'était trop beau ce que tu vas faire. Oh, bah, fais un run, mec. Oh, on était à Walibi là. Eric? Oui. Tu fais quoi? T'emmènes à un aéroport. Enfin, d'accord, parce que là on prend des balles là. Oui, je sais, les flics qui nous suivent, même si des fois je prends des balles alors qu'il y a personne derrière, c'est bizarre. Mais pour moi, t'es arrêté dans un arbre et on prend des balles gratuites là. Hein? On est en pleine route là. Ah, t'as dispo de ma voiture? LOL, et je viens d'apparaître sur la route. LOL. Ok, bah je pense que tu peux me larguer par là. Là, prudemment ou... Vas-y, d'ici, ça peut être marrant. Allez. Stylé. Trop stylé. Juste trop stylé. Bon bah si tu le trouves, préviens-nous. Moi ça m'étonnerait que... Ah, arrêtez. Ou alors on prend des bateaux, on y va à la nage. Ah, j'ai peur. Il est près des rochers. On va le trouver, l'OVNI, les gens, on va le trouver. Travel the world. Et je cherche les ovnis. On va le trouver. Je veux le voir. Ah, attends, il y a un truc qui m'intrigue là. Ah, je crois que je l'ai trouvé. Sérieux? Yes, je l'ai trouvé. Oh, grosse épave de soucoupe volante rouillée et tout. Ça doit être sympa. Stylé. Si je le laisse comme ça, est-ce que je peux à la limite? Ah ouais, je vais rester sur le toit. Ah, c'est toi qui arrives, j'espère, parce que là, ça devient dangereux ce machin. Ouais. Oh putain. Tombe pile dessus. Oh, la taille du truc. Et en brume, je la vois plus parler. Gramdy non plus en fait. Faudrait en solo aller jusqu'à qu'on puisse débloquer le truc de plongée, si c'est possible, et essayer d'aller voir si on peut ouvrir avec. Allez, on va à Black Mesa. Ouais. Wouh. Ou alors ici. Et le plus beau, c'est que ça faisait de mal à personne. Non. Ah, non. Non. Bon, bah, moi aussi. Bon, je vais aussi prendre mon envol. Tu peux l'insérer. Ah, mon perso, il se prend pour une carpe. Tu sais, il saute comme les carpes hors de l'eau. Sauf que lui, il descend une montagne comme ça. Ça me fait penser à la course de fromage dans un patelin en Angleterre ou je ne sais où. La course de fromage. On dirait des putains de bouquetins. C'est pas faux. Maintenant, putain, il est tombé comme une grosse merde, ce perso, c'est ouf. Oh là 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 là. Oh là là. Ah non, tire pas, Dogface. Je vais le ramener à ma maison. Oh, je me suis one shot en tombant, quoi. Ça sert à tellement rien ce que je fais depuis tout à l'heure, c'est ouf. Je te jure, je saute dans le pré, quoi. Puis parfois, bah, je glisse et je meurs. Voilà, c'est ma vie.
Bon, mes petites loulous, je vous remercie d'avoir suivi. Sur ce, je vous fais des bisous. Merci infiniment, Ericule, de m'avoir accompagné à Dogfez, ainsi qu'à Gramdy pour la soirée. Et des bisous. Go.